Nang's Reborn. Wow, c'est extraordinaire! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, nous sortons. Nous allons faire un truc extraordinaire que la plupart des chrétiens ont l'habitude de faire lorsqu'ils veulent être reconnaissants envers Dieu. Mes frères, ce que nous allons voir est extraordinaire. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est simple mais puissant. Wow! Comment vous portez d'abord? Dis-moi, comment ça va chez vous, votre famille? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que vous êtes prêts maintenant à entrer dans une autre dimension parce que nous commencerons bientôt les témoins puissants. Il y a même des témoins puissants de commun qui nous attendent. Mais après, nous découvrons des choses assez extraordinaires. Viens se reprendre. Que Dieu nous même nous aide, nous donne la force de pouvoir tout surmonter. Ça va être chaud. C'est pas ta place, c'est pas ta frime. C'est plein de choses encore qui arrivent. Et ça, c'est extraordinaire. Suivez-nous. Ok, comme vous le voyez, nous sortons. Nous sortons faire quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que la plupart des chrétiens ils font. Ça, maintenant, ce sont des signes que nous allons vous donner. Voilà, nous allons une mise en situation. Quelle est la chose que les chrétiens ont l'habitude de offrir à Dieu lorsque ils sont contents de lui? Voilà, c'est cette chose-là que nous allons offrir à Dieu. Quelle est cette chose, mes frères et sœurs? Ça commence par D, ça finit par E. Ou bien bon, ça commence par O, ça finit par A. De toute façon. Voilà, E encore. E partout, décidément. Trouvez. Nous n'allons pas vous dire. Il y a même des pasteurs, il y a beaucoup d'hommes, de personnes même, qui ne veulent même pas se souvenir de cela. Ils se disent que... Oh, c'est une chose qui appartient au passé et qu'on ne doit pas s'en souvenir maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Dieu débloque quelque chose d'important dans ma vie. Pour le remercier, j'ai décidé de lui offrir ça. Bon, allez, monsieur. Nous allons vous rendre. Oh, qu'est-ce que c'est? À l'arrière. Ok. Nous allons tout simplement nous rendre. Nous allons faire ce que nous devons faire pour que ça se réalise. Il y a des conditions qui doivent être remplies et on espère vous montrer ce qui va se passer plus tard. Bon, on espère. Ce qui est sûr, vous allez juste nous observer, nous suivre et voir comment un chrétien se prépare pour offrir quelque chose à Dieu. Spirituellement parlant, il faut te préparer. Psychologiquement parlant, il faut être prêt. Il faut vraiment être sûr de ce que tu as fait. Donc quand tu vas offrir à Dieu, et puis il faut te dire déjà dans ton cœur que cette chose que tu as donnée à Dieu là, Dieu va l'apprécier. Et si toi tu l'apprécies, c'est que Dieu l'apprécie aussi. Mais il ne faut pas offrir quelque chose de nul que toi-même tu ne souhaiterais même pas avoir. Hein? Voilà, donc vous avez déjà compris de ce de quoi nous voulons parler aujourd'hui. J'offre quelque chose à Dieu aujourd'hui. C'est parti.
Bon, comme vous le voyez, nous continuons à marcher. Nous essayons de sortir, de quitter la cité maintenant. Alors, comme vous voyez, nous sommes dans une cité. Oh, regardez ça. Comme c'est monté, vous ne m'avez pas dit. Nous devons nous soutenir, nous sommes la même question, on doit se soutenir, on doit se dire la vraie chose. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé? Ok, vous êtes mon miroir aujourd'hui. Si vous sentez que je fais un truc qui n'est pas bizarre, c'est bizarre, vous pouvez m'en parler. Mais si vous êtes en train de me blaguer aussi, je saurais. Hein. Après, les gens, quand je leur dis ça, ils vont commencer à me raconter de n'importe quoi maintenant. Mentir, c'est comme ça, c'est comme ceci. C'est pourquoi moi, je préfère écouter Dieu seul. Et vous, mes frères, c'est quoi, pensez-vous? Pour prendre une décision là, que faites-vous? Est-ce que vous écoutez la plupart des temps les humains? Ou bien vous cherchez à entrer en contact avec Dieu? Ah, moi, je préfère vous dire. Aujourd'hui, il y a trop de sorciers. Les sorciers sont nombreux. Donc moi, je préfère ne même pas me confier du tout. Un humain. Ah, Dieu a vu. Qui est ici aujourd'hui. Nous allons lui offrir quelque chose d'extraordinaire que je pense qu'il appréciera. Ok, là ça commence à se mettre en position, nous sortons finalement de la cité. Voilà, nous sortons décidément aller chercher. La chose que nous recherchions pour pouvoir faire cette offrande. Vous pouvez le voir, frère et soeur, nous connaissons qu'il y a un embouteillage qui est là. J'espère que ça ne nous empêchera pas d'effectuer cette chose si précieuse que nous avons envie d'effectuer aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ça, le diable se lève, même si le diable se lève. On en fout, il y a toute la toujours. Pour essayer d'empêcher les gens de faire des vraies choses, mais ça aura lieu. Je me dirais. C'est extraordinaire. Regardez-moi tout ça. La file est longue, hein? Mais nous allons avancer. Nous allons arriver ensemble. Ok, comme vous pouvez le voir, je viens de faire un retrait. Maintenant, je me rends juste dans un endroit où je vais rencontrer tout simplement Dieu. Selon vous, où ça sera, vous devez tout simplement le suivre pour savoir tout simplement où ça sera. Bon, ok, à part ceci, ne vous inquiétez pas. Je vais arriver ensemble. C'est parti. Waouh! Regardez-moi ça. Ok.
body gas on it. Ok, comme vous pouvez le voir, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Je viens de faire donner la chose que j'avais envie de donner à Dieu. Et bizarrement, vous n'avez pas vu. Personne n'a vu, sinon moi seul. Ça, c'est énorme. Quand vous voulez faire une offrande à Dieu, mes frères et soeurs, on nous dit quoi? On nous dit toujours, il ne faudrait pas que la main gauche soit au courant si vous faites cette offrande avec la main droite. C'est un exemple que nous avons juste montré aujourd'hui pour commencer déjà la journée en beauté. Ça va être si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche de notre pour la prochaine vidéo. De la façon, nous retournons maintenant chez nous. Nous allons maintenant faire des courses. Nous pouvons vous montrer ce qui va se passer après. Si je veux vous aider, que tu fais. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La suite.